Salut tout le monde, c'est Narpy et on se retrouve pour la suite sur Pokémon Ruby. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis retourné en ville pour soigner mes Pokémon parce qu'on s'était arrêté sur la route 110, mais voilà, mon oracle, il fallait tomber au combat. Et j'étais très triste. Donc on va le remettre là. Et je vais reparler à l'autre grognasse là. Parce que peut-être que maintenant c'est bon pour avoir son cadeau. Et puis j'ai une question à vous poser. Parce que là, non, ça marche pas. Ça, j'en étais sûr, mais... ma question c'est quoi votre plus grosse rage sur Pokémon? Le moment où vous avez le plus ragé? Je sais pas, ça peut être une capture de Pokémon, ou un échange, ou un duel. Dites-le moi en commentaire. Moi honnêtement je m'en souviens pas, mais je vais vous raconter une anecdote. C'est pas de la rage à proprement parler à cause de Pokémon, mais j'étais au primaire. Et je ramenais ma Game Boy... Je crois que c'était ma Game Boy noir et blanc, hein. Ouais, c'était la noir et blanc, la toute grosse, là. Pour jouer à Pokémon. Et, attention. Là, on affronte Flora. Bah, je vous le raconterai après, les amis. Comme ça, il y a un suspense, là. Ouh! Alors, salut Narpy, ça faisait longtemps. En cherchant d'autres Pokémon, j'ai permis aux miens de devenir plus fort. Alors, que dirais-tu d'un petit combat? Notre rival. Donc, elle a un autre starter, celui qu'on n'a pas pris et qui est l'opposé d'une autre. Mais là, elle va commencer par un Balignon. Voilà, bon, bah pourquoi pas, hein. Elle a pratiquement les mêmes Pokémon depuis le début et... Les Pokémon du début, quoi, les Pokémon pourris. Je vais faire choc mental, je sais pas si ça marche, ça. Ouais, ça marche. Ça le tue pas, mais ça marche. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Parasport... C'est vrai que Balignon, il est super pour ça, quoi. Bah oui, mais bon, du coup, il est asynchro. Et t'as l'air con, mon vieux. Voilà, on l'a rabuté, c'est bien. Mais j'ai l'impression, franchement, qu'il est pas sensible à paralysie quand il fait choc mental. Hein. Bon, depuis le temps, vous me l'avez peut-être expliqué en commentaire, mais je l'aurais pas vu. Bon, vas-y, on va garder Oracle. En fait, je trouve pas que c'est le bon moment, là, pour monter mes autres Pokémon. J'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas. Je prends pas de plaisir à jouer avec les autres. Il y a vraiment que mon KFC et Oracle que j'ai plaisir à jouer avec, là. Faut vraiment que je regarde la database des Pokémon et que je capture ceux qui me font plaisir. Bon, ce qui est sûr, c'est que je veux un Pikachu. Mais bon, ça, je sais que c'est classique, mais il me faut un Pikachu, quoi. Ah bah non, voilà, on peut pas toujours. Bon bah du coup, je vais changer, parce que sinon là, je vais crever. Je vais prendre Balignon. Parce que lui, il faudrait que je monte un tout petit peu, quand même. Ah, par contre, je suis con. Putain, mais pourquoi j'ai pris Balignon? C'est un Pokémon feu. Ah, purée, et puis voilà, et puis il me fait charge, et là, je suis mort. Ah! Putain, je suis trop teubé. Vas-y, Makuhita. On va essayer avec toi. Mais bon, j'ai pas l'avantage pour attaquer, parce qu'il est niveau 18. Bon, ça, normalement, ça devrait pas me tuer, voilà. Charge, c'est bon. Ouf. Oh, on est sauvé. Bon, là, ça va être son starter, qui a évolué. Bon, au moins, Makuhita, il monte de niveau, parce que là, ça donne un max d'expérience. Ça, c'est cool. Flobio. Donc, Flobio, c'est le Pokémon O. Je dis pas de bêtises, oui. On va tenter avec Croc McDo. Mais bon, c'est là que ça aurait été efficace, Balignon. C'est pour ça que je voulais déjà prendre Balignon, mais non. Ouais, pas du. On va le mordre. Oh là 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 là, un tir debout. Ah bah oui, bah forcément. Ça, j'avais pas prévu. Voilà. C'est cool. Du coup, on va prendre Makuhita. Mais là, elle est en train de me défoncer, quoi. Je vais avoir du mal si après je suis obligé de prendre mon Galifeu. Oh bordel! Sérieux là? Oh, vas-y, Caillou. Allez, Caillou, je crois en toi! Caillou, je crois en toi! Ton brush. J'arriverai pas, voilà, je suis mort. Ah! Oh, j'ai fait nimp. Putain! Vas-y, Oracle. Essaye de lui faire une attaque avant de crever, s'il te plaît. S'il te plaît, choc mental. Et non, je suis mort. Voilà, j'aurais pu me soigner, mais non. Non. Bon, bah, ça va être un combat de starter. Hein. Et ça, c'est injuste que la rivale, elle a le droit au Pokémon de l'élément opposé. C'est pas cool. Bon, on va lui faire pic-pic. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Tire debout, c'est efficace par contre. Et oui.
Bon, je peux encore tenir normalement une attaque. Et après, il faudra que je cherche une solution. Ah, double pied, c'est utile. Waouh! Ok. Et j'attaque en premier. Donc. Si là, je suis pas mort. Là, normalement, je le tue. Oui. Pas de problème! Enfin, si, il y a eu du problème quand même, hein! Mince, tu as un meilleur niveau que je ne pensais. Bah, c'était chaud quand même, hein. T'es doué, hein. Narpi, toi aussi, tu as passé beaucoup de temps à l'entraînement. Tu mérites une récompense. Voilà de ma part. Cherche-objet. Ah bah voilà. Ça, c'est cool. C'est un cherche-objet. Et c'est le. S'il y a un objet non visible, il émet un son. Oh, Narpi, on se reverra. Je sais que c'est un peu bête venant de moi, mais tu devrais t'entraîner encore plus pour la prochaine fois. Voilà, oser dire ça. Dire que j'étais nul, c'est ça? Méchante. Bon, ben, on va essayer de traverser. Je sais pas si on est proche de la ville. Parce que je pense qu'il y a encore des dresseurs. Hein. Au pire, si je crève, tant pis. Conseil aux dresseurs, vous pouvez rendre l'ennemi impuissant en le paralysant en dormant ta gueule. Ça fout. Eh ouais, il y a encore des dresseurs. Oh bordel. Ouah non! J'attendais de voir s'il continuait à regarder en haut et en bas. Je pourrais voir tes Pokémon? Juste un coup d'œil, s'il te plaît. Oh, en plus, il fait flipper, lui, avec sa sale tête, là. Oh, putain! Un combat est lancé par Collect Martin. Oh, aïe. Bon, bah, vas-y, on va taper, on verra bien. J'ai même pas envie de soigner mon Pokémon, parce que ça sert à rien. Je vais devoir, de toute façon, retourner au centre Pokémon à un moment donné. Autant presque se suicider quoi. Tant que Flamèche ça passe, c'est bon. C'est des Pokémon feuilles là, plantes. C'est bon. On est bien. Je joue le risque, mais. Voilà, c'est cool. Je voudrais compléter ma collection. Putain, il m'a fait flipper lui. Oh. Oh bordel. Oh non, attention! Il y a Jean-Kevin. Bon, lui il tourne en rond. Eh hey, merde. Ah, un mystère. Mystère qu'on va cramer, comme ça on va monter de niveau. Histoire de gagner un tout petit peu de PV. Voilà, 4 PV maintenant. Je vais aller loin avec ça. Bon, maintenant, tu tournes. Non ! Ouah putain, il a triché ! Putain, mais là ils sont en train de se foutre de ma gueule. Normalement il faisait un cercle et là il a fait pop 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 pop. J'ai deviné tes intentions, impossible que je perde. Bah ça j'ai remarqué, en fait c'était fait exprès. Ah ouais, lui joue des Pokémon psy. Ah putain, un Abra. Normalement il a aucune attaque hein, s'il te plaît t'as aucune attaque. Faire double pied. Oh ah. C'était pas efficace, mais en fait si c'est efficace. Ok, bon, on est bien. Vous avez battu Kinésiste Edouard. Je n'ai même pas vu ma propre fin. Et ouais, couillon. Alors là, s'il n'y a pas un objet entre les herbes qui sont juste devant. Sérieusement. Ah, toi, tu dégages. Vas-y, je vais te flamécher la gueule. Oh non! Ouf. Putain, j'ai eu peur. Je suis capable de me faire battre par un Négapi. Oh, il est pas mort. Ah oui, mais bon, j'ai rien d'efficace contre lui. Alors là. Bah voilà, Pokéball. C'est plus efficace ces Pokéball là, me faites pas chier. Oh yes. On y est. Oh bordel, on y est. Ah, oh, Lavandia. Ah, oh, j'ai jamais été aussi content de te voir, Lavandia. Imagine même pas. Bon, on peut se soigner, je peux vous raconter mon anecdote. Donc j'étais au primaire, j'avais ramené ma Game Boy, non pas color, noir et blanc. Et c'était la fin des cours, on devait prendre le bus. Et puis là, oh, je regarde dans mon sac, il n'y a plus ma Game Boy. What the fuck? Et là je commence à être triste et j'ai presque pleuré. Bon ok, j'ai pleuré.
J'ai pleuré parce que je me suis dit putain, on me l'a volé pendant la récré. Et puis là, on regarde, on observe, et puis il manque une fille dans la classe. Et je sais plus comment elle s'appelle, mais elle flashait sur moi. Enfin bref, mais elle était un peu garçon manqué. Et elle avait speedé. En fait, elle avait volé ma Game Boy et puis elle était partie au bus direct comme ça. Et du coup, avant ça, on l'avait pas remarqué, mais le prof, comment qu'on dit d'ailleurs? On dit le prof? Non, le maître. Voilà, le maître. Premier, on dit le maître. Et ben, il a commencé à regarder les cartables de tout le monde et il y avait pas. Il était gentil, franchement, il avait bloqué la porte. Il a dit personne ne sort. C'était genre comme dans Seigneur des Anneaux, hein. Vous ne passerez pas. Et puis du coup, il a fouillé les sacs. Et puis il y avait pas la Game Boy parce que c'était elle qui l'avait pris et du coup elle était partie dans le bus. Et là on est tous allés au bus. Et on dit oh, elle est là. Et puis du coup elle s'est mise à pleurer aussi parce qu'elle s'en voulait d'avoir volé ma Game Boy. Et puis elle me l'a rendu. Puis après j'étais tout content. J'étais comme un petit gosse qui venait d'avoir un cadeau de Noël. Et puis voilà. Et puis ça s'est terminé comme ça. Et puis après il y a tout le monde qui m'a soutenu, m'a dit ça va aller Christian. Et puis oui ça allait quoi. J'avais ma Game Boy. Bon bref, on retourne dans le jeu, voilà, c'était la petite anecdote un peu pourrie quoi, mais c'est pour montrer à quel point Pokémon c'était trop populaire avant et on était prêt à voler le jeu quoi. Ah là 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 là, bon peut-être encore aujourd'hui, hein, mais là si on vole une Nintendo 3DS, ça sera pas le même coup. Hein. Enfin quoique la Game Boy a coûté cher à l'époque. Hein. Bon, tu veux dire que tu as fait toute la route depuis Bourg-en-Vol? Mon dieu, c'est terriblement loin, si tu avais un de mes vélos, tu pourrais aller n'importe où sans problème tout en sentant le vent te caresser le visage. Tu sais quoi, je vais te donner un vélo. Oh, attends une seconde, j'ai oublié de te préciser qu'il y avait deux sortes de vélos. Il y a le vélo course et le vélo cross. Le vélo course est pour ceux qui veulent sentir le souffle du vent. Et le vélo cross est pour ceux qui préfèrent les performances techniques. Je suis un vrai passionné, tu peux prendre celui que tu veux. Je crois que le vélo cross, il peut servir pour remonter les pentes. Quand on est par exemple dans un donjon et qu'il y a une pente où on peut glisser... Et ben avec le cross on peut remonter. Mais si je prends pas le course, je vais pas aller vite quoi. je vais prendre le cross, ça sera plus stylé parce qu'on est un crosseur. Ouais, un biker. Non, je sais pas comment on dit quand on fait du cross. Voilà, vélo cross. Narpi met vélo cross dans poche objet rare. Si tu as besoin de changer de vélo, n'hésite pas à venir me voir. Ah oui, c'est vrai qu'on peut changer après. J'apprends beaucoup de choses sur les vélos depuis que je travaille ici. Si tu as besoin de conseils pour conduire ton vélo, il y a 2 ou 3 manuels derrière. Ah bah attendez, on va voir ça. Devant parler. C'est un guide sur le vélo course. Non, je veux pas ça. Ah, quoi, il y avait le versant de sable. Merde, c'est pas ça que je vais cliquer. Allez, ta gueule. Oh putain, ça se joue dans Pokémon. Après que t'es passé le texte, t'as envie d'appuyer et ça met tout de suite le dialogue là. Versant de sable. De petites coulées de sable... parsème toute la région de Hoenn. Ce sable fin empêche d'avancer normalement, mais avec le vélo course, il est possible de gravir un versant de sable. Eh, moi je pensais que c'était avec le cross. C'est un guide sur le vélo cross. Roue arrière. Ouais, ça c'est pas utile. En roulant, la roue arrière se lève. Vous pouvez rouler sur une roue en utilisant cette technique. Et ça sert à quoi? Ça sert à rien. Maintenant, le bouton B enfoncé, vous pourrez sauter sur des rebords. Ah, cette technique est appelée Bunny Hop. Vous pouvez aussi avancer en sautant. Ah ouais! Appuyez simultanément sur le bouton B et sur la manette pour faire un saut. Appuyez sur gauche ou droite sur la manette pour faire un saut latéral. Appuyez, oui, d'accord. Ah ouais, donc en fait, avec le cross, je peux remonter les rebords qui sont dans les forêts et tout comme ça. Et avec l'autre, je peux remonter les sables. Ah ouais, d'accord. Alors, comment qu'on enlève alors. Enfin, comment qu'on le met? Faut que j'assigne à Select. Bon, c'est pas Select sur ma manette, mais c'est pas grave, ça revient au même. Alors, vélo cross enregistré. Voilà. Bon, c'est vrai que dans Pokémon Y et X, c'est plus simple pour enregistrer les trucs là, mais bon. Voilà, donc là par exemple, si je fais ça. Merde! Non! Le parfum des fleurs a un pouvoir magique. Il purifie le corps et l'esprit. Et je voulais pas t'affronter, grognasse, putain! Je vais les cramer tes fleurs. Fais chier, toi. Ton palignon là. Vas-y, Orak, vas-y, défonce-lui sa gueule. Bon, c'est pas super efficace, mais comme ça, il va monter de niveau. Allez, vas-y, termine-le. Et après, promis, je vais monter un autre Pokémon, parce que là, ça va pas. Et puis, il faut que je retourne en arrière, non? J'ai pas affronté un pêcheur, il me semble. On va l'affronter. Voilà, fini. Ciao, bye bye.
Est-ce qu'il apprend une capacité? Ouais, entrave. C'est cool ça. Ah merde, c'est pas fini. Oui. Qui on peut mettre? On va mettre Croc McDo. Peut-être que Croc McDo sera efficace. Faire morsure. Non, pas croissante, non. Ah putain, c'est nul à chier, bordel. Putain, j'ai du mal avec Croc McDo. Hein. Crocolarme. Ah oui, bah vol de vie, forcément. Enfin, vol de vie. C'est à cause de League of Legends que je dis vol de vie, putain. Défense spéciale. Ouais, bon, allez, ta gueule. T'auras essayé au moins. Caillou! On va l'ensevelir sous les rochers. Tu vas voir ça, ma Roselia. Oh putain. Bye bye. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est efficace. KFC, go. On revient toujours à KFC, mais bon, c'est j'y peux rien. Hein. Je suis pas encore à l'aise avec mon équipe. Ça va venir après, mais de toute façon, c'est pas l'équipe que je vais jouer, sérieusement. Voilà, c'est fini. Perdu. Oui, niveau 12. On a battu Aroma. Oh là là, on dirait bien que j'ai perdu. Tu vois bien ma vieille. Allez, testons. Non, c'est pas ça. Oh bordel. Oh bordel, c'est pas ça. Oh putain, qu'est-ce que j'ai cru moi. Fumer un pet là, c'était... mais à quoi ça sert alors, je m'en rappelle plus. Bon bah rien à foutre, je vais prendre le vélo de course parce que là ça me saoule. Je me suis fait entuber. Oui, je veux changer, il est pourri ton vélo là. Vas-y là, rends-moi mon vélo de course. Celui-ci que je joue au début. Même si c'est pas vrai. Sac. Vélo de course, c'est Jamie. Ok. Ouais, on va trop vite. Bon, on va soigner Poké Poké. Non, parce que je vais jouer Balignon. J'ai pas besoin. Elle est douce cette musique. Salut, bande d'enfoirés. C'est lui que je voulais affronter. Hé! Hey, ne te faufile pas derrière moi comme ça. Si, fais ce que je veux. Un combat est lancé par pêcheur Fabio. Tente un coup, t'es trop cool. Vas-y, Balignon. Bouffe-lui sa gueule. Mais bon, j'ai pas grand-chose en truc de plante. Un vampigraine, mais bon, c'est nul, parce que c'est sur la durée. Mais bon, vu qu'il me fait d'arvenin, bah voilà, ça va être cool. Oh non, il est empoisonné. Vampigraine, voilà. Non, on va tous les deux jouer à ça, tu vas voir. Ça va être drôle, très drôle. Non. Valvi. Construction. Oula, ça va faire mal. Ah non. C'est nul. C'est nul, nul, nul. Hé hé hé. C'est quand même cool de pouvoir voler de la vie comme ça. Je pourrais le faire par sport, mais bon, je vais voir si charge c'est efficace. Ouais, moyen. Faut quand même y arriver. Allez, plus vite là! Par sport. Yes, 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 yes. Bon. On va faire vol de vie. Et ensuite un charge et c'est fini normalement. Ou deux vols de vie. Ouh, coup critique. Bah là il est mort. Il est mort, il est mort. Mort, 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 mort. Allez, tu es mort. Voilà, c'est fini.
Bon, les amis. Oh yeah. Voilà pourquoi j'ai pris Balignon. Mais là, je vais pas abuser, lui. Je vais changer, sinon on a encore la demain. Je vais prendre Oracle, pas me faire chier. Je vais lui faire un choc mental. Non, je vais essayer entrave. Tentacool, il est trop cool. Alors qu'est-ce que ça fait entrave? Je ne me souviens plus. Oh putain, son Darvenin là, il me saoule. Oh putain, ça marche pas. Bon ben voilà, maintenant c'est la merde. Mais il va être aussi confus lui. Ah non, même pas. Normalement c'est censé renvoyer. Bon. Ça passe. Oh putain, c'est efficace. En même temps, il a une tête de cerveau, donc forcément c'est efficace sur mental. Allez, on va rester avec Oracle. Oh, oh. Un Walmer. Oracle est confus. Oh putain, non! Non, non! Ça fait mal, hein. Et en plus, ça attaque elle. On s'en fout, allez. Ouais, il est plus confus, yes! Choc mental. Eh ben, c'est pas parce qu'il est gros qu'il a un gros cerveau, hein. Ça marche pas. Ah si, ça marche, mais ça l'a pas tué. Allez, choc mental, et c'est fini. Yes! Et on va essayer en trappe sur le dernier. Sauf si c'est un tentacool, parce que tentacool, il me saoule. Et ben voilà, et ben voilà, et ben non, et ben non, je vais faire choc mental. Voilà. C'est qui le patron maintenant? On a battu pêcheur Fabio, oui! Sapristi! Ok, on est bien. Aïe la bobo, aïe aïe aïe. Attends, on va récupérer les baies d'abord, mais je vais descendre du vélo parce que là c'est impossible quoi. Le vélo il est bien sur des longues distances, mais là c'est galère. Hein. Oui, oui, allez, allez, allez. Donne-moi la nam-nab. 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 Voilà. Nam-nab. Parle à papy. Les papy sont toujours cool dans Pokémon. Et de route, une au-dessus et l'autre en dessous. Une pour les Pokémon et une pour les humains. C'est peut-être juste. Bon, non, pas forcément. J'ai croisé des humains, moi. Ce serait pas génial de rouler à fond en vélo sur la piste cyclable? C'est. On va pas le faire. On est pas des fifous là. Là on a une mission, c'est soigner les Pokémon. Non, il est KO. Bon, ça va, c'est que Balignon, on s'en fout. Voilà. Soignez mes Pokémon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Elle est gentille l'infirmière. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en super forme. Encore merci, à bientôt. Voilà. Bon bah les amis, on va s'arrêter là. On n'a pas trop progressé, mais quand même, il y a eu des choses sympas dans cet épisode. Mais le plus sympa, c'est vous. Donc je vous remercie de suivre ce let's play. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour la suite. Donc portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.